va applaudir encore une fois Beth Allen, backup de l'histoire. Alors Beth Allen n'est pas une inconnue puisqu'elle est actuellement deuxième du ranking du Ladies European Tour. Un joli démarrage, après au milieu ça a été un peu plus difficile, un peu d'impatience, mais bon je me suis pas énervée et j'ai réussi à finir fort avec birdie 15, birdie 17 et un bon putt pour sauver le par au 18. Donc c'est bien de finir sur une bonne note comme ça. J'ai bien négocié les greens très difficiles comme le 11, 12 et le 14, donc ouais je suis contente et après j'ai su redémarrer sur les trous un peu plus abordables 15, 17. 18. Moi, je commence à avoir un peu plus la roule, alors qu'en début de tournoi, je mettais des avions de chasse derrière les trous. À chaque fois, il me restait 1m50 pour par. Donc ouais, là, c'était un peu plus tranquille au niveau du putting. Depuis que j'ai découvert qu'il fallait juste que je mette moins de pression dans mon grip. Après les deux premiers tours, où j'étais 25e par là, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde. Mais donc du coup, là, le top 10 n'était pas si loin niveau points. Donc après, c'est l'objectif que je m'étais fixé pour le week-end. Donc je suis contente de le réussir et de partir en Chine sur une bonne note comme ça. J'ai pas mal joué aujourd'hui, j'ai même plutôt bien joué. Après j'ai eu beaucoup moins de réussite au putting que les autres jours. J'ai raté 4 petits putts de 1m50, 1m20. Donc voilà, c'est ce qui a fait un peu la différence par rapport au jour précédent. On peut être à côté des trous et faire des 3 putts très faciles. Enfin, c'est ce qui m'est arrivé par exemple au 12. J'ai failli rentrer mon premier putt et après j'ai raté le deuxième. Voilà. Après au 18 aussi je prends 3 putts, c'est dommage. Mais bon, après c'est une bonne semaine. Ouais, j'ai pas super bien commencé. J'ai fait un double au trou numéro 3. Mais j'ai réussi à faire pas mal de birdies derrière. Donc je passe l'allée à moins 2 et... Après, c'est vrai que j'ai fait un autre double au 17 qui était un peu dommage parce que c'était un bon coup. Mon deuxième coup était bon, mais la flail green, donc j'ai dû la prendre injouable et du coup j'ai fait double. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile parce que je pense que j'aurais pu faire mieux, mais c'était quand même. Je pense que je me suis quand même bien battue jusqu'à la fin. Je pense que l'ensemble de la semaine est assez positif. Mon jeu, je pense qu'il évolue dans une bonne direction. J'ai réussi à prendre pas mal de fairway et jouer des bons coups, même s'ils ne payaient pas tout le temps. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, j'ai quand même pas mal joué. Et je pense que je vais essayer d'en retenir du positif. C'est pas mal pour la confiance aussi, surtout, mais aussi au niveau du jeu, pour l'évaluer un peu plus précisément en tournoi, c'est vrai que ça aide beaucoup aussi.